Déjà, le vocabulaire qui peut vous venir, est-ce que déjà sur la trame verticale ou dans le paysage, on sent que derrière, il y a quelque chose. Aller, il y a encore avec les vignes en main. Et même là, même déjà, ne serait-ce déjà les collines, là, la crête et les collines, on sait qu'on sent qu'il y a quelque chose derrière. On va profiter parce qu'on n'a jamais une vue aussi belle. Par contre, ce sera aussi d'arriver à, voilà, le matin, de savoir décrire comment c'est structuré, se structure un petit peu les usages sur ce relief, tous ces éléments-là, ça vous donne une sorte de logique aussi sur laquelle il faudra tricoter ou détricoter. Ce qui est, c'est que j'ai l'impression quand même que la main de l'homme n'a pas défiguré Non, elle a bien modelé. Elle s'intègre dans le paysage. Et que même si on sent que de temps en temps, la main de l'homme est intervenue, je trouve que c'est équilibré, c'est beau, c'est. Du coup, la problématique serait plutôt de préserver. De préserver aujourd'hui. Qu'est-ce que vous aimeriez préserver concrètement ? Il faut conserver les courbes, il faut suivre les courbes existantes pour maintenir cette morphologie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas s'étendre, mais de façon raisonnée et aussi y mêler la végétation, parce que c'est ça qui prédomine dans le regard de Montferrand. Oui, quand vous parlez des courbes, c'est les courbes de niveau. Oui, c'est les courbes, la morphologie du terrain, oui, bien sûr. Ce n'est pas un terrain complètement plat, c'est un terrain qui est un petit peu vallonné avec cette végétation qui est différente. De temps en temps, on a quelques cyprès donc, qui donnent cette verticalité. Ouais. Avec les cours d'eau aussi, avec le canal, on voit la rigole qui est là, qui serpente. Donc ça vient serpenter dans le paysage. Et puis, malgré tout, on voit que les axes de circulation ils viennent quand même s'intégrer là-dedans. Oui, et il nous manque les platanes, parce que quand il y avait les platanes, c'était quand même 10 fois plus joli sur la 113. Mais c'est vrai que là, on voit bien que quand même ces axes de circulation viennent s'intégrer là-dedans. Et ce qui fait qu'on ne vient pas couper ces courbes et ces vallons qui sont vraiment typiques du Lauragais et typiques du coin. Quoi. Donc est-ce qu'on pourrait dire que c'est un milieu qui est fortement anthropisé, on voit bien la main de l'homme, tout à fait. Mais pour autant, ça reste un cadre de vie. Qui reste très agréable, très beau. Et moi je trouve que c'est un joli façonnage. Parce que même des structures comme là, on a une aire d'autoroute, on la voit, mais c'est vrai qu'elle est en particulier les arbres, la végétation tout autour, elle est un peu... Elle est très plate, donc elle s'intègre bien. Elle est dans le creux. Donc une sorte de paysage idéal pour un élu ? Il y a peut-être mieux. C'est beau. Je suis lauragaise d'adoption. Mais il faudra regarder d'autres côtés. On pourrait faire... plus encore, vous pensez, justement, en matière de trame verte et bleue, ou est-ce qu'on est là déjà à un stade... Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose à modifier. C'est de préserver déjà maintenir l'existant. Maintenir l'existant. Et peut-être l'améliorer avec d'autres plantations nouvelles, mais globalement... Parce que c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même encore... Il y a encore des haies, il y a quelques haies. Parce qu'ici, c'est vrai qu'on n'est pas dans une région bocagère, on est quand même dans une région de plaine céréalière. Mais ce n'est pas non plus les plaines, on a encore quand même quelques végétations, arbres. Est-ce que vous êtes agriculteur l'un et l'autre ? Non. Pas du tout. Pas du tout. Ce matin, on a entendu des réactions un petit peu vives de la part d'agriculteurs qui s'inquiétaient un petit peu de ces questions de trame verte et bleue. Est-ce que vous pensez que l'agriculture est compatible et soluble dans la biodiversité ? Oui, je pense que si on les interroge suffisamment tôt, avant, et leur dire quel est l'objectif et comment il faut faire, ils vont être complices de l'aménagement. Ils sont les premiers à s'intégrer. C'est ce qu'on en parlait ce matin. On parlait des chasseurs, des associations de chasseurs et tout.
On sait très bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire sans ces associations, sans les agriculteurs, et qu'au contraire, ils sont les premiers sur le territoire, à connaître le territoire. Donc, ils en vivent de ce territoire. Donc, je suis assez confiante là-dessus. Je pense que ce sont les premiers à vouloir dire, à protéger. Et si on explique les bienfaits de la préservation de ces paysages, la préservation des trames vertes et bleues, ils sont les premiers. Mais là aussi, c'est le problème de... Une bonne communication. De communication. Éviter d'écréter tous les petits points hauts comme on peut avoir là-bas. Voilà, qui ne donnera aucun rendement supplémentaire, si ce n'est qu'il sera plus court avec un tracteur, mais aujourd'hui il s'en accommode bien, donc il faut le laisser. Avec des entreprises, le canal du Midi, les voies d'accès, voies ferrées, autoroute, 6113, des poteaux relais téléphoniques, des châteaux d'eau, des villages. Donc la diversité de nos paysages en Lauragais, qui est une illustration ici sur le hauteur de Montferrand. Il y a des choses que vous changeriez, des choses que vous enlèveriez, des choses au contraire que vous, non, sur lesquelles vous mettriez l'accent. Il faut plutôt protéger qu'enlever ou changer. On peut améliorer. Mais bon, il y a un lac même. Il ne faut pas scléroser non plus. Non. Il ne faut pas sanctuariser la nature. Il ne faut pas sanctuariser. De toute façon, c'est comme... Un lac, des panneaux photovoltaïques sur une toiture. C'est... Et là, on voit bien que quand même, on a l'activité. On a quand même de l'activité économique. On a une entreprise en bas, on a un garage, etc. Mais ça ne défigure pas le paysage. Je pense qu'on peut intégrer tout à fait l'activité économique, qui est indispensable sur les territoires, sur nos territoires. Mais... Oui, d'autant moins qu'on sera contraint un jour de se créer nos propres ressources, et donc elles vont passer par des aménagements obligatoires, que ce soit du renouvellement, de l'énergie renouvelable. Des éoliennes. Alors là, par contre, là, c'est vrai qu'on n'a pas d'éoliennes dans ces. Si. On les voit pas, c'est que tourne là. Voilà. On en a là-bas au fond. Il y en a au front. Ouais, c'est vrai. On a celle de Nayou là-haut. Ouais, mais après, c'est vrai que c'est un territoire où là, il n'y a pas d'éoliennes. Alors ce matin, j'ai entendu dire qu'on allait créer, alors, je ne sais plus, c'était 12 000 logements ou 120 000 logements à l'échéance du PETR. À l'échelle du PETR. Donc par exemple, si on devait urbaniser là, dans ce paysage, on ferait comment? Est-ce que c'est déjà réparti Ça sera sans niveau par commune, et par surface. Voilà. Par surface. Moi, je vois, bon, parce qu'il y a la commune qui est à côté, qui est la Basse-Ville d'Anjou, qui est une des zones d'accueil, hein, qui théoriquement, doit accueillir de la population. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, ça se fond complètement dans le paysage, parce que c'est dans le creux. C'est très plat, hein, c'est vraiment le creux. Et je dirais qu'avec la végétation, finalement, on n'a aucun désagrément parce que c'est concentré. Si on sait justement sur ces pôles pouvoir densifier la population, densifier l'habitat, on arrive à préserver complètement le paysage. Vous n'êtes pas inquiète du tout, cette urbanisation. Vous pensez qu'elle peut se faire en bonne intelligence avec le paysage? Tout à fait, oui. Pas le choix. Bon, là, on a partagé le nombre de logements par bassin de vie communautaire. Et donc, ce n'est pas disproportionné par rapport à l'existant et au développement économique qu'on peut espérer au regroupement des deux régions qui vont nous apporter un plus ici dans le Lauragais. Donc c'est en parfaite cohérence. Puis en privilégiant bien sûr en évitant l'étalement urbain, en évitant l'étalement, l'habitat diffus qui existe aujourd'hui, parce que les Lauragaises, les fermes, c'est quand même, ça a un cachet, ça a modelé le paysage aussi. Mais on peut tout à fait construire, à accueillir de la population dans nos villages, même dans les périphéries, même si on avait quelques maisons de plus, ça ne défigurerait pas ici le paysage, on voit bien. Un chapeau qui prenne. Hein. Ça vous inspire là? Ah oui, j'ai passé des heures à regarder.
Alors, qu'est-ce que vous regardez, vous ? Moi, je regarde les paysages, les cultures, l'organisation. J'avoue que j'ai du mal à le décrire et à l'écrire sur un document. Mais j'en prends plein les yeux et plein la vue, oui. Et ça inspire sans être, sans avoir la possibilité de le reporter sur chez nous, par exemple. Puisque les paysages sont différents et on ne peut pas les transposer. Est-ce que vous pensez qu'il y a une subjectivité dans le regard du paysage ? Oui, je pense que si on prend quand la photo a été faite et maintenant, c'est déjà différent, puisque les couleurs ne sont plus les mêmes. La vie n'est plus la même. Aujourd'hui, c'est tout moissonné. Aujourd'hui, c'est tout. C'est prêt à être re-ensemencé. Alors que quand la photo a été prise, c'était déjà vert et il y avait encore de la culture, plus de vie. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Mais je trouve que c'est. En plus, aujourd'hui, on réussit le temps. C'est très beau. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, ce paysage et quoi ? Un équilibre, hein, celui-là, quand même. Ouais, j'ai rien marqué là, mais j'ai marqué sur cette petite. Vous avez noté quoi alors sur votre petit papier ? Ben, que le relief est bien équilibré, moi je trouve. Parce que là, justement, on a un point de vue, après on a de la végétation, on a quelques petits lopins de terre. Les bâtisses sont bien intégrées dans de la végétation. Après, on retrouve, voilà, avec grâce au canal du Midi, on retrouve les corridors verts, hein, et intégrés avec le corridor bleu. Donc là, on la voit bien, la trame verte bleue. En plus, après, on a encore un trou. Là, comme c'est bien découvert, on voit justement les premières vallées, les contreforts et puis les Pyrénées au loin. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait rêver de mieux ? Voilà, c'est ça, là, je vois vraiment pas. Ouais. Si après, là, par exemple, on voit bien l'exemple à côté, là, le petit bourg, là, il est déjà moins bien équilibré que celui-ci. Là, on voit qu'il y a une cassure. Là, c'est idéal, hein. C'est vraiment un petit amas de province. Et là, ce petit bourg, à votre avis, il respecte les contrats de la trame verte et bleue ou vous pensez qu'il y a des obstacles ? Il y a plus d'obstacles, il y a des obstacles. Il y en a un petit peu, on voit qu'il y a eu de la végétation, mais j'ai l'impression qu'entre les haies, qui sont vraiment trop rectilignes, trop... il y a cassure. Donc... alors que là, on voit bien que c'est plus ouvert. Hein. Il y a la végétation, mais les ouvertures. Alors là, on est devant un paysage idéal, mais vous, votre réalité d'élu, vous êtes sur la commune. Vous me rappelez que votre commune ? La Garde. Alors, est-ce que sur votre commune, c'est aussi idéal ? Non, pas partout. Pas partout, parce qu'on le voit, on a essayé de faire justement des chemins de randonnée. Et alors, il y a des zones, c'est impeccable, on peut le faire. Et après, on est contrainte, on tombe sur la route. Qui peut être des fois pas toujours contrainte, hein, parce qu'on peut prendre des petits bouts de route et puis reprendre des chemins verts, mais c'est pas toujours le cas. C'est dur. Alors c'est dur, ça veut dire que le changement, ça va passer par quoi chez vous ? Ben, une prise de conscience énorme des élus, des agriculteurs qui font certains des efforts, hein, parce qu'il y en a qui font des efforts. Hein. Je pense qu'ils essayent justement de respecter. Ben, ne serait-ce qu'avec les bandes enherbées qu'on trouve. Donc là, ça permet de faire la continuité des randonnées, de ce corridor vert, peut-être, cette trame vert. Mais c'est pas partout, c'est pas toujours respecté partout. On voit que des fois, ben, y a ceux qui aussi veulent grignoter trop de terrain. Donc il faut une prise de conscience qui commence à l'être, mais peut-être pas de façon majoritaire. Hein, je sais pas. Oui, parce que finalement, trame verte et bleue, biodiversité, est-ce que c'est vraiment dans le vocabulaire des agriculteurs, non, notamment ? Non, ça parle pas. Non, je pense que ça parle pas à tous. Comment vous allez les sensibiliser ? Ben, je pense que oui, il faudrait travailler étroitement sur le terrain avec eux et les différents, ben justement, les acteurs. Hein. Il y a ceux qui veulent pour les randonnées. Je pense aux randonnées, par exemple, parce que ça semble bien. Ceux qui font les randonnées, les agriculteurs, les faire intervenir et voir que justement qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Comme là, comme on disait tout à l'heure, avec les créations de haies champêtres, c'est vrai que ça, je trouve que c'est intéressant. Hein, mais est-ce qu'on peut le faire partout ? Est-ce que c'est facile à mettre en place ? C'est là, il faut discuter, ouais, je pense, avec les acteurs. Hein. Il faut discuter, néanmoins, il y a un cadre réglementaire qui après, va s'appliquer. Voilà, tout à fait. Alors, comment ça va se passer quand on va dire, bah, finalement, il y a quand même ce cadre, il faut le respecter. Vous avez des craintes par rapport à ça ? Oui, enfin, ça dépend des... Je ne sais pas, ouais.
Je pense qu'il y a des choses qu'il y en a qui acceptent, qui par dépit peut-être. Et c'est dommage, parce qu'on devrait accepter justement par conviction et pas par dépit. Mais je sais pas. C'est difficile, ouais, parce que là je découvre en plus, étant nouvellement élue, je découvre un peu tout ça parce que je n'avais jamais entendu parler. Et vous savez qu'il y avait justement, hein, par rapport à l'érosion, je pense qu'il y avait des choses qui ont été mises en place. Mais... Pour commencer à restituer. On n'avait pas entendu assez parler, je pense. Dommage. Est-ce que quelqu'un veut se lancer, commencer à nous parler de son observation ? Je suis là. Quelqu'un, je ne sais pas, veut nous parler des formes du relief, de la végétation ? On échangeait, en fait, il avait bien remarqué le contraste entre l'avant et l'arrière sur ce panorama. Et donc, on parlait de ce contraste et de chercher ce qui, finalement, des deux, lequel des deux est le plus emblématique d'un paysage de l'Auragais. Et donc, vous êtes ici. Qu'est-ce qui manque à l'un et qu'est-ce qu'il y a en trop à l'autre, peut-être ? Bien, pour répondre à votre question, celui que j'ai dans le dos, qui normalement ne faisait pas l'objet de l'analyse, serait pour moi autrement représentatif des paysages du Lauragais, puisque absence de haies, des très grandes surfaces cultivées, donc réservées au monde agricole, alors que celle-ci, celle que nous soumet donc à l'analyse, serait davantage porteur de présence justement de continuité par des trames bleues et des trames vertes. Alors on le voit par la sablière qui a été creusée par l'homme, on le voit par les voies de communication, sauf bien sûr la voie SNCF. Qui ne peut pas se permettre d'avoir de boisé de part et d'autre, mais sinon, on le voit sur la 113, où on a abattu, mais on a replanté, on le voit pour le canal du Midi, on le voit pour la Rigole, ici, à ma gauche, on le voit sur la trame qui rejoindrait Barennes et vers la présence de la Ganguise, autre plan d'eau. Donc on a une alternance de plans d'eau, d'un système hydrographique et de haies ou de bois. D'alignement bois. Et d'arbres. Voilà, arrêtez, parce que ça suffit là. Et du coup, pour vous, ça c'est caractéristique Ceci, vous trouvez que c'est presque un cas particulier au Lauragais? C'est ça, si j'ai bien compris vos propos Non, au contraire. Non, parce que vous disiez que... Non, là-bas, que l'arrière était pour vous plus... C'est bien ce qui est contradictoire. C'est la contradiction, c'est qu'on a tendance à associer les paysages de l'Auragais à cette vision-là. Et j'espère qu'il la montrera avec sa caméra, avec ce qu'il nous a proposé ici, où on voit que l'activité humaine a été présente, mais on a réussi quand même à sauvegarder une partie de ce qui fait l'objet d'études aujourd'hui. Ce paysage-là, je disais que ça, c'était véritablement représentatif des paysages que l'on a du Lauragais, de la plaine du Lauragais. D'ailleurs, quand on regarde à perte de vue entre la montagne noire et la nationale 113, on voit bien, même là-bas au fond, hein, dans la plaine vers Revel, on a bien cette identification avec très peu de haies, des très grandes surfaces et pratiquement plus d'arbres, donc plus de trames. À la limite, ça peut servir de... Et c'est objet d'étude, c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Ça pourrait servir presque d'exemple. Alors après, il faudrait le voir en termes d'urbanisation, hein, quels sont les choix que chacun de nos collègues, là, ici, ferait, parce que sur ma gauche, là, vous pouvez le monter, ce nouveau quartier-là est déconnecté par la route, et donc n'est plus en connexion avec le village de Montferrand, alors qu'on voit qu'ici, en contrebas, on avait véritablement des connexions qui étaient faites avec l'ancien village. Et donc les réseaux, toutes les organisations spatiales et humaines étaient autrement plus en adéquation avec ce qu'on attend aujourd'hui que ce qui s'est fait là-bas. Mais bon, c'était l'époque. Vous trichez ? Vous trichez là ? Oui, oui. Et ça, on voit peut-être pas aussi loin qu'avec le vôtre, mais ça permet de voir effectivement des agglomérations au fond là-bas qu'on distingue beaucoup mieux quand même avec ça. Je les ai dans la voiture, je vais les utiliser.